Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois de juin. Je reviens pour les tirages mensuels, donc n'hésitez pas à regarder également la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire dans la playlist de ce mois de juin ici sur la chaîne. Donc je vais vous transmettre les messages que je reçois grâce au tarot. Je me présente pour les nouveaux arrivants ici sur la chaîne, donc bienvenue, je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot. Si vous souhaitez vous inscrire à mes contacts pour ne rien rater et pour recevoir entre autres la vidéo de l'année 2022 qui est totalement offerte, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Allez, nous commençons tout de suite. Excusez-moi. Allez, les taureaux, quels sont les messages, les événements importants pour ce mois de juin? Les taureaux. Les taureaux. J'utilise le tarot de Marseille. J'utilise le tarot Illuminati. Puis vous aurez, comme d'habitude, les messages de l'univers avec l'oracle de l'énergie. Allez, on y va. Allez, on a le jugement placé en positif. On a ici le battleur. On a le pape, pardon, en vibration. Puis en résultante de ce tirage, qu'est-ce qu'on a? Oh, magnifique, on a le soleil. Donc vous avez une bonne nouvelle pour ce mois de juin, les taureaux. Soit vous allez signer un contrat professionnel, un bail pour, pourquoi pas déménager, parce que si vous souhaitez déménager, eh bien là, vous allez trouver un appartement, une location, une maison. Ça peut aussi parler de la signature d'un achat immobilier, hein, d'un compromis de vente également. Non, là, il y a quelque chose, il y a un projet qui s'officialise. Qui s'officialise, il y a la signature d'un contrat ou d'un document très important, il y a l'appel aussi d'un notaire, d'un avocat, d'un expert. En tout cas, il y a vraiment un résultat positif ici, il y a de très très bonnes nouvelles. Si vous attendez des résultats par rapport à un concours ou une formation, les résultats sont positifs, hein. Voilà, donc je sens hein, que vous attendez un appel et cet appel est très important pour vous les taureaux parce que ça annonce un nouveau départ, une transformation dans votre vie en général. Donc ça peut se caractériser par un déménagement, par un changement de carrière professionnelle, par un changement de vie, par une nouvelle positive. Moi, j'ai vraiment la sensation ici que vous êtes en train de réaliser que vous êtes sur la bonne trajectoire et qu'il y a vraiment des changements très importants pour vous qui vont vous apporter toute satisfaction et surtout de la joie, du bonheur et cet accomplissement, pardon, je vais y arriver, que les taureaux recherchent depuis pas mal de temps. Alors, placé en positif, on a le jugement. Donc, ça peut parler de cette décision administrative que vous attendez. Hein, qui sera plutôt positive, une décision aussi juridique, pénale, hein, si vous avez entamé des procédures à ce niveau. Ça parle aussi de communication, la communication sera importante, vous allez être appelé, être sollicité, vous allez recevoir un appel important. Ça peut aussi parler d'écouter ses convictions, vous serez à même de vous libérer hein, d'une situation qui vous a longtemps bloqué, qui vous a enfermé dans une routine. Et cette routine ne vous satisfaisait plus. Hein. J'ai la sensation que même si c'est confortable parfois, eh bien, ça ne vous procurait aucun plaisir. Et là, je vois que vous êtes en train de vous détacher de cela, que vous êtes en train de vous libérer. Et c'est plutôt une excellente nouvelle. Avec le battleur en contre, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement qu'il y a un nouveau départ là. Il y a un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie que vous allez ouvrir. Simplement, en ce début de mois, c'est vrai que tout ne sera pas clair, hein. J'ai la sensation que vous allez hésiter à prendre des initiatives, à prendre des décisions, à faire des choix. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Pourquoi? Parce que je vois ici le pape. Et le pape, c'est la carte qui bénit tous vos projets, qui vous protège. Donc le projet auquel vous pensez a de fortes chances de se réaliser, d'aboutir pendant ce mois de juin.
Donc ce projet peut être un déménagement, peut-être un nouveau travail, peut-être cette envie de créer votre activité, donc de vous lancer en tant qu'entrepreneur. Ça peut être aussi la signature d'un accord de vente, d'un achat, que ce soit un achat d'un bien immobilier ou toute autre chose, hein. Ça signifie aussi un accord que vous allez trouver. Donc si vous êtes en désaccord, en conflit avec vos partenaires ou bien avec votre hiérarchie, parce que vous souhaitez peut-être changer de travail, quitter votre travail, et bien là, vous trouvez un accord. Et avec le pape, ça peut signifier aussi de recevoir des conseils d'une personne d'expérience, d'une personne qui a une certaine qualification. Ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un avocat, un notaire, un homme de loi, une femme de loi, peu importe. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez être guidé. Vous pourriez être aussi guidé par vos guides, hein, par vos anges. En tout cas, vous allez sentir une protection en ce milieu de mois de juin. Et puis là, on a une très belle carte, le soleil. Bon, elle parle d'elle-même, hein, le soleil qui sera au-dessus de votre tête, donc qui va vraiment vous apporter de la lumière, de la clarté sur ce que vous devez faire et sur ce que vous ne devez plus faire. Ça parle aussi de partenariat professionnel, de soutien, d'accord, de résultats positifs, de nouvelles positives, d'une annonce importante, de soutien autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Donc vraiment là, c'est plutôt positif, hein. Si vous vous posez des questions sur vos projets, quels qu'ils soient, eh bien la réponse, elle est plutôt positive. Allez, quels sont les messages en plus ici? Ok, on a le 7 de Pentacle qui signifie bien que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, de suivre une nouvelle trajectoire. Donc vous pouvez être satisfait de tout ce que vous avez accompli. Donc les deniers, là, représentent vos expériences, tout ce que vous avez accompli. Et c'est vrai qu'en ce début de mois, vous allez vous poser pas mal de questions sur l'issue de votre situation, de votre projet. Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que je dois changer de trajectoire, de chemin ou de projet? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Vous voyez, c'est toutes ces questions que vous allez vous poser. En tout cas, vous prenez conscience que c'est en train de changer pendant ce mois de juin, les gros. Hop là, une carte qui est sortie, vous l'avez vue. Et on a le prince de coupe, hein, qui parle bien justement, eh bien, d'une nouvelle issue, d'une nouvelle opportunité qui vient à vous, même si c'est vrai qu'en ce début de mois, ça ne sera pas flagrant, hein, comme je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que vous allez être un peu hésitant, vous allez avoir du mal en fait à éclaircir votre situation, du mal à apporter des réponses. Mais ces réponses, elles arrivent justement en ce milieu de mois de juin. Qu'est-ce qu'on a avec le pape, hein? Ok, on a le 3 de coupe, magnifique, c'est une célébration. Regardez cette carte, elle est magnifique. Vous célébrez votre réussite, la réussite peut-être de vos proches, vous allez recevoir une bonne nouvelle, ça peut être le résultat d'un concours, d'un diplôme, ça peut être justement l'attente de cette nouvelle pour pouvoir déménager, il peut s'agir de l'attente justement. De savoir si votre contrat va être accepté ou votre contrat bancaire va être accepté également. Vous voyez, donc cette attente, elle est plutôt, comment dire, elle n'est pas vaine, au contraire. Il y a un résultat, voilà, il y a un résultat, et cette attente ne va pas durer très longtemps parce que je vois quand même en ce milieu de mois une célébration. Vous allez fêter ça avec vos amis, avec vos proches, vous allez célébrer ce nouveau projet, la naissance d'une nouvelle vie.
Magnifique, on a une la majeure. Bah alors là, hein, avec la roue, hein, la roue de fortune, c'est la chance qui vous sourit, ce sont les opportunités qui s'offrent à vous, c'est la roue qui tourne en votre faveur. Je vois bien en fait, là, avec la roue, c'est bien l'année. Donc c'est une année qui s'ouvre, une nouvelle année qui s'ouvre à vous, pleine d'opportunités, pleine de nouvelles occasions. Donc c'est la chance, comme je vous l'ai dit, qui est à vos côtés, qui vous sourit. Ce sont les opportunités, c'est l'abondance et c'est surtout la fin d'un cycle en vue de ce nouveau cycle que vous attendez, de ce nouveau départ qui arrive, qui est bien là, grâce à cette nouvelle positive ou à cette annonce. Donc ça évolue plutôt de façon très positive pour vous. Donc qu'est-ce qu'on a les taureaux pour, comme message de l'univers pour ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a l'action. Vous voyez, donc là, c'est vraiment un mois plutôt dynamique pour vous, les taureaux. Ça bouge beaucoup et ça bouge comme vous le souhaitez. Donc, ça évolue dans le bon sens. C'est vraiment ici le projet qui vous tient à cœur, qui se concrétise. Hein. Et ici, vraiment, l'univers vous encourage à passer à l'action, vous encourage à aller de l'avant, à saisir les opportunités, à ne pas rester immobile. Au contraire, à avancer sur votre trajectoire. Excusez-moi. Ouh là là. Attention, ne nous étouffons pas avec le deuxième message. Non mais c'est vrai que vous avez un tirage tellement positif. Vraiment, non non, j'en ai presque des frissons parce que vraiment là. Ça évolue vraiment dans le bon sens, hein, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Tempête en vue. Donc, qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie ici qu'il faut faire attention. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Attention à ne pas rester immobile. Parce que vous avez peur, parce que vous hésitez. Je vous l'ai dit en ce début de mois, vous aurez tendance à hésiter. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'échouer, tout simplement. Vous avez peur de vous tromper. Donc attention à cela, parce que sinon, il y a vraiment une tempête qui pourrait arriver et qui pourrait vous empêcher vraiment eh bien, de profiter justement de ces bons moments, de ces énergies extrêmement positives qui sont présentes ici pour ce mois de juin. Hein. On a de très très bonnes nouvelles pour ce mois de juin, donc ça serait dommage de ne pas en profiter par peur. Ou par peut-être par confusion, parce que vous avez un ressenti en ce début de mois que ce n'est pas clair pour vous, ce n'est pas assez clair, vous avez besoin de temps. Mais ce que je vois quand même, c'est que vous allez être bousculé ici, hein, en ce milieu de mois, parce que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vraiment débloquer la situation d'un seul coup. Allez, qu'est-ce qu'on a comme troisième message ici? On a le cinquième chakra, Archange Gabriel. Donc ça signifie bien ici qu'il faut absolument libérer la parole, hein, qu'il faut vraiment parler, s'exprimer. C'est ce que vous allez faire, hein, davantage en ce milieu de mois. Parce que c'est vrai qu'en ce début de mois, vous allez vous questionner. Vous allez vous renfermer un petit peu dans votre bulle. Vous allez réfléchir à ce qui serait préférable de faire, de saisir. Mais là, je vois bien que vous prenez conscience. Et ça, c'est grâce vraiment à vos guides, à l'univers qui vous met sur votre chemin cette opportunité qui va vous permettre de changer votre vie, de transformer votre vie. Donc vraiment, tournez cette roue en votre faveur, accueillez ces nouvelles opportunités. Et n'hésitez pas à célébrer votre réussite. Voilà les taureaux pour ce mois de juin. Donc,
j'espère vraiment que ça va vous aider. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à consulter les lectures intuitives et intemporelles qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez plusieurs liens cliquables. Et vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de me consulter en privé. Vous avez le lien de mon site. Vous avez aussi les formations sur le tarot que j'ai réalisées. Donc si ça vous intéresse d'apprendre le tarot, donc n'hésitez pas à vous renseigner juste en dessous. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.